You look lonely. I can fix that. Takar Schwadam. Winjar Alajarish. Hatakar. Warpeti Pacharish. Harsh Sibalti Yiguarish. Ma Ul Udams. Winja Waija Waika. Hawaija Salwa. Takar. Palhur. Winja Laja Daos. Eh bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce 4e épisode de notre incroyable aventure sur Far Cry Primal. Et c'est vrai que c'est malheureux en vrai ce qui nous est arrivé dans le précédent épisode. On a perdu des villageois. On commençait à augmenter notre population. Au final, ils sont morts. Du coup, c'est triste. En vrai, on est combien là maintenant? C'est vrai ça? Est-ce qu'on peut voir? Ah bah, on est 20. 20 sur 40. Ah, ça bouge pas. Ok. Il y a des gens qui sont morts mais on est quand même 20. Bon bah c'est magnifique, c'est la magie de Noël tout ça. Bref, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne semaine, voilà, un bon week-end, etc. Il nous manque de la peau de mammouth pour améliorer ça. Et puis il nous manque quoi ici? Il nous manque peau de blaireau, ok. Concrètement il faut chasser. Un petit tour au niveau des compétences, parce qu'en fait je viens de capter qu'on a un point de compétence. Découverte de ressources ou trouver... Oh! Trouver plus de bois, de pierre, de roseaux, d'argile, de poussière, de pierre à chaque récolte. Alors ça c'est top. Ça il faut 2 points de compétence. Trouver 2 portions de viande. 2 portions de graisse animale, 2 peaux de bête. Ranimer vos bêtes à provoser requiert moins de feuilles rouges. Trouver la quantité maximale de bois, de pierre. D'accord. Non, de toute façon j'ai pas assez pour tout ça. L'attaque en piqué peut désormais tuer les redoutables ennemis d'élite. Oh ça va être le prochain truc. Déjà je rappelle qu'on a débloqué les attaques en piqué pour la chouette. Donc ça on va découvrir ça aujourd'hui. Ça va être très intéressant parce qu'on va pouvoir attaquer avec la chouette, avec le loup et avec nous-mêmes pour le moment. Donc franchement on a 3 points d'attaque, point faible trop fort. Allez, découverte de ressources. Comme ça on verra sur la minimap. Et en parlant de minimap, où sommes-nous? Que devons-nous faire? Eh bien on peut aller voir Tensai le chaman. On peut aller voir la hutte de Saïla. Et on peut aller à la grotte de Takar. On a énormément de choses à faire en réalité. Dans notre village et puis dans le reste du monde également, puisqu'on a à retrouver Jaima la chasseresse, je le rappelle, Woga le fabricant, ainsi que Karouche le guerrier. Et à mon avis il y en aura bien d'autres à découvrir. Voilà. Grotte de Takar, ouais. Alors on va aller voir. Ah mais non, mais de toute façon, ah non mais y a rien à faire ici. Il faut juste parler au chaman. Allez, on va aller parler au chaman du coup. On va aller voir ce qui s'y trame, ce qui s'y passe. Je vois un point d'interrogation, bien évidemment. Donc on y va et on admire évidemment cette très très belle cascade qui fait toujours plaisir à interagir. Ah, on va encore consommer des substances. Takari Suna Mishayu Aluti Fadata Bal Bal Pafetal Urusu. Quai qua shraba. Shayu nawa sadada. Saif naba su hayayata. Shunta guar buhata. Nai ti yi bal bal. Mi pafital daf. Quai bal bal. Tu sa bashmas. Ti shayu sakwa takar. Ma ais pafeta. Nata salwai. Makam. Wesh! Ah ouais, d'accord, on va prendre la peau d'un éléphant là? Oh, je suis le maître des bêtes!
duel bestial. Oh ouais 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 ouais. Oh pardon. Ok, on peut attaquer. On peut crier. Superbe. J'ai vu un truc là-bas voler, c'était un bug ou quoi? What the fuck, j'ai vu un éléphant voler. Incroyable, trouver les tueurs de mammouth. On va les déglinguer, les tueurs de mammouth. Pourquoi il y a de la poussière rouge qui vole là? Qu'est-ce que c'est que ça hein? Alors, les tueurs de mammouth. Ah ouais, ils se sont fait déglinguer mes copains. Bon après, nous aussi on a tué des mammouths hein, je rappelle hein. Quoi? Vous quittez la zone de mission. Est-ce qu'on se foutrait pas un peu de ma gueule? Ah merde, c'est par là-bas tout simplement. Ah, j'avoue, je me suis peut-être un petit peu enflammé sur mon itinéraire. C'est par ici. Pas du tout. Alors, est-ce qu'on se foutrait pas un peu de moi là? Ouais. Je peux pas monter ici. Non mais cette poussière rouge, elle est pas anodine hein. Attendez, on va revenir sur nos pas, il y a un truc que j'ai pas pigé là. Est-ce qu'il y a un bug ou est-ce que c'est moi qui suis bête? Bah ouais, il y a quoi là? Bah voilà. Vous quittez la zone de mission. J'ai presque envie que ça se relance parce que j'ai l'impression qu'il y a un bug. Ah, déjà, il n'y a plus la poussière rouge, regardez. Ah si, elle est de nouveau là. D'accord. Trouver les tueurs de mammouth. Et je peux monter là? Je peux même pas monter. Ouais, d'accord. Ouais. Trouver les tueurs de mammouth. Bon, attendez, on va faire échouer la mission. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un bug. Je sais pas vous, mais moi j'ai vu un éléphant voler tout à l'heure, donc déjà à partir de là tu sais que c'est bizarre. On va voir, c'est pas grave. C'est pas grave les amis, si j'ai eu raison de le faire, eh bien c'est dommage, mais bon. Ça va être vite vu. Voilà, on rentre dans l'esprit donc de l'éléphant. D'accord. Voilà. On avance. On voit plein d'éléphants morts. Voilà. Trouver les tueurs de mammouth. Voilà. Regarde. Ok. Et ben voilà, il y avait eu un bug. Combattez l'esprit rhino. Yalla. Hop. Bah attaque. Reviens. Chargez. Ah bah voilà. Ça dégage la racaille. L'esprit rhino. C'est par ici. Donc il y a bel et bien eu un bug hein. Je suis assez content de moi de l'avoir spoté. Reviens, reviens. Petit vilain rhino. Oh là là. Dangereux ça. Attention ça craque. Checkpoint. Oh c'est beau. Oh le flair, abusez pas non plus. Tuez tous les rhinos de la zone. Comment ça mon ref? Yalla, chargé. Ouais non mais là oh purée, tu sors d'où toi? Dégage. Oh non. Ah ça va. J'ai cru que j'allais mourir. Dégage. Ouais mais attends c'est une dinguerie de... Arrête. Ouais mais c'est bugué. C'est bugué. Bah je vais tout simplement mourir. C'est juste pas possible. Attends, je vais plus vite que je crois. On va se soigner. Voilà, on régène tranquillement mais sûrement. C'est le plus important. Voilà. Chargé. Voilà, ça tu prends dans les dents. Allez, viens voir. Viens voir papa. Paf. Yes. Voilà, lui il est mort. C'est déjà pas mal hein. Chargé. Voilà. Encore, t'es mort. Voilà. Et puis toi, c'est pas facile, on dirait pas comme ça hein. Voilà. Suivez l'esprit rhino. Où est l'esprit rhino? Ah non, pas un bug encore hein. Là-bas. Allez, c'est parti, on y va.
C'est pas évident hein. C'est un bon début d'épisode en tout cas. On a des oiseaux, enfin des aigles. Belle montagne. Oh là 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 là. Tuer tous les rhinos de la zone. Viens là. Allez, viens là si t'es un homme. Viens là si t'es un homme. Ah, t'oses pas descendre hein. T'oses pas descendre. Ah, il y en a plusieurs. Allez, chargez. Pop. Allez, ça dégage la racaille. Ça dégage la racaille. Et hop. Oh le bâtard. Allez, on va essayer de régène. On revient en arrière. Oh, j'ai capté, on peut casser les pierres, je crois. Je crois qu'on peut casser les pierres. Hop là, l'esquive de la loutre. Oh le bug. J'ai capté un truc, attendez. Si je fais ça, ça marche pas? Ah, c'est ça. Ah bah si j'avais su. C'est un peu tard maintenant, mais bon. Allez, hop, donc dans les fesses. Voilà. Et hop. Dommage. Hop. Voilà, super, ça marche bien. Ah, ça marche bien. Allez. Allez. Dommage. Allez. C'est quand vous voulez. Je vous attends. Et hop. Voilà. Voilà. Encore Watt. Allez, viens là, n'aie pas peur. Voilà. Ah, t'as encore envie? C'est sérieux là? Putain, il est résistant lui hein. Ah, mes coups de trompe là quand même. Parce qu'on va pas se mentir, j'ai des bons coups de trompe. Oh le bâtard. Et alors? Ok. Il est là-bas. Il est là-bas. Ah mais c'est pas fini tout ça hein. Hop. Oh là là. Oh c'est beau. Oh c'est beau. Hop. Ça. Aïe. Mais c'est pas possible. Non. Non, ce jeu c'est de la merde. Voilà, je vous l'annonce. Allez hein. Ce jeu c'est de la merde, impossible de s'arrêter. Allez big up, ça fait plaisir. Et je le rappelle évidemment, quand je dis que ce jeu c'est de la merde, c'est évidemment de la mauvaise foi. Mais quand même c'était buggé. C'était buggé. J'ai un petit peu le seum, je vais pas te mentir. Vraiment là? Vraiment? Oh c'est chiant. Bon c'est pas grave, attendez. Ouais mais c'est incontrôlable hein. Regardez, j'arrive même pas à aller à droite. Là je vais à droite. Ah ouais c'est... Oh, c'est incroyable. Va à gauche, purée. Impressionnant. C'est impressionnant comme c'est incontrôlable. Voilà. Hop. Et ça n'a servi à rien. Allez viens. Voilà. Paf. Un régal. En fait faut les attendre hein, malheureusement. Parce que quand tu bouges c'est incontrôlable. Voilà. Attends, je viens de faire en... Je viens de faire en 10 secondes. Non attendez les gars, je viens de faire en 10 secondes ce que j'ai fait en 5 minutes. C'est incroyable. Et hop. Et hop. Incroyable. Aïe. Allez. J'ai fait en 5 secondes ce que j'ai fait en 5 minutes avant. Ah, je suis mort. En fait, le secret, c'est de pas bouger. Regarde, ils viennent. Ils viennent à WAM. Et hop. Aïe. Voilà. Et t'as peur, là. Oh, t'as peur. Oh, ils ont peur. Oh, ils ont peur, maintenant. Allez, on envoie la pierre pour le plaisir. Voilà. Allez, on avance. Mais c'est très difficile à contrôler. Vraiment, c'est très difficile à contrôler. Y'a pas un petit checkpoint, là? Superbe. Allez, va à gauche. Et t'as vu? Non, c'est incontrôlable. Il va tomber dans le vide encore. Il va encore tomber dans le vide. Ok, faut que j'utilise la souris pour tourner. Parce que sinon, ça va être compliqué. C'est bon, j'ai capté. Alors... Où est-ce que tu m'amènes là? C'est très joli ici hein. Ça rafraîchit en tout cas. Tuer tous les rhinos. Oh, il y a des geysers. Trop stylé.
Hop. 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 Ah dommage. Eh, par contre les geysers c'est magnifique hein. C'est comme ça qu'on appelle hein. Hop. Voilà, toi t'es finito. Aïe. Viens là, viens là. Oh bâtard. Oh ils ont peur de WAP. Oh. Eh, t'as cru quoi toi? Il a cru quoi lui? Eh, je l'ai tué en wifi. Je l'ai tué à distance. Voilà. Voilà. Et reviens. Salut. Mais MDR. Mais M. Non, et MDR quoi. Non mais c'est une vanne. C'est une... Oui, c'est le cas de le dire, c'est un geyser d'eau. Donc forcément c'est une vanne. Non mais sérieux. Eh, hey, genre eux ils... Genre, ils arrivent pas à me tuer. Par contre de la flotte ça a réussi à me tuer là vraiment. Vraiment. Ouais, tu vas voir. Tu vas voir ce que tu vas voir. Hop là. Toi t'as rien compris à ta vie. Attends. Ah. Par contre eux ils meurent pas par contre. Ouais d'accord. Ouais. Eux ils peuvent aller dans les geysers sans problème. Hein. Allez. Allez. Abusons pas des bonnes choses quand même. On va pas passer tout l'épisode en tant qu'éléphant hein, parce que ça peut très vite être chiant. Allez. Oh non. Il m'attire dans... En fait il m'attire dans les geysers, il est trop fort. Hop. Voilà, ça fait mal. Ça, je connais la douleur. Y a un truc invisible qui me poursuit là. Hop, on va passer par là, c'est plus safe. Et là, viens là. Et hop. Voilà. Tu vas faire quoi? Aïe. Wesh. Ah oui, non mais ils sont des millions. Mais ça va jamais s'arrêter en fait. Cet épisode est un épisode éléphant. Ah oui. Oh, waouh. Les deux en même temps quoi. C'est la doublette hein, comme dirait Kevin Adams. Hop. Voilà. On va battre en retraite hein, comme on dit. Mais dégage toi. Aïe. Oh, je t'ai pas vu venir. Voilà. Allez, salut. Non mais... Eh les gars, à un moment donné il va falloir arrêter. Oh la vache. Paf. Oh, ils sont beaucoup trop nombreux hein. Ils sont beaucoup trop nombreux hein. Allez, vous êtes ensemble. Hey. Oh la vache, il m'a fait peur. Oh la carcasse. Oh la racaille. Non, pas dans l'eau. Oh là là, j'ai eu chaud. Incontrôlable hein, je le rappelle. Voilà. Toi t'es ma cible. Allez hein, à côté, c'est parfait. Toujours aussi bien fait hein. Voilà. Je crois que j'en ai eu deux en même temps. Et hop. Oh, j'ai failli me prendre un geyser, j'ai eu chaud là. Voilà. Voilà, voilà. Je me chie dessus parce que j'ai pas envie de tout recommencer hein. Je préfère vous le dire. Allez, toi t'es faible. Et toi, je sais pas à quoi tu penses mais esprit du rhinocéros, pardon. Comment ça mon ref? Hop. Viens là, viens là. Voilà. Voilà. D'accord, c'est au petit bonheur la chance quoi hein. Bam. Voilà, les petits coups de trompe. Viens là. Oh bâtard. Ok, là il faut qu'on régène. Parce que sinon ça va vite être le caca. Voilà. J'ai pas réussi ce que je voulais mais c'est pas grave. Voilà, ça c'est fait. Ça dit quoi maintenant? Oh, c'était vraiment formidable cette séquence. J'ai vraiment adoré, c'était le meilleur moment du let's play je crois, je suis pas sûr hein. Alors à quoi ça aura servi je ne sais pas, mais on va vite le découvrir.
Duel bestial terminé, bah c'était un petit peu plus qu'un duel, hein, si je puis dire. Oh, c'était stylé, hein. Ouais, ouais. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il va nous dire le chaman, là? Il va nous apprendre un truc encore, là, j'espère. Non? Ah, c'était juste un petit kiff, un petit trip. D'accord. Et genre là, je peux recommencer. Bah, non, on va pas recommencer, non. On va pas recommencer. Bon, allez, on va lui parler directement. Ce sera plus intéressant, je pense, pour l'histoire principale. Ah, voir petit. Ogwan. Tishayu. Gasuri. Aïe, patch. Non, fous-moi la paix avec ton truc là. Fakwe. Udambi. Upafi. Udam. Fakwe ha aïe, pasta. Udam. Aïe, pasta. Bien, bah maintenant on va voir dans la peau des méchants. Visiblement, vision de glace. Oh là là là, c'est pas possible. Trouver la statue de la femme Pierre. Pierre est une femme? Le mec qui a pas compris. Bah c'est parti. Nous voici dans l'obscurité. Le froid terrasse les Udam. Pourquoi on meurt toujours? Bonjour. Oh, c'est mignon. Enfin, du coup, ils ont froid. Ah! Lui, c'est le méchant, le grand méchant. Ok. Oh là là. Oh là là. On a la grosse masse du gros méchant. On est du coup le gros méchant, c'est ça? Ah ouais. Heureusement que ce n'est qu'une vision, une hallucination. Où est femme de pierre? Salut! En haut! Paf! 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 Salut! Aïe! Paf! Allez! Oh, tuez pas les innocents! Aïe! Incroyable! Fait froid ici, hein! Paf! 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 Bah, meurs! Voilà. Wouhou. Voilà. Oh non, c'est horrible. Femme de pierre n'entend pas leur prière. Oh, c'est terrible. Wouhou. Incroyable. Incroyable mais vrai. Waouh. Mais c'est... Wesh! C'est pas sympa ça, madame la femme de pierre! Hop là, l'esquive de la loutre! T'es sur le cul là! Ok, viens là, viens là! Viens là! Aïe! Arrête, j'ai sauté hein! Aïe! Mais c'est pas possible! Hop là! Hop là! Hop là! Aïe! Mais foutez-moi la paix! Ok. Bonjour. Attention. Wouhou. Yeeha. Wouhou. Non. Ok. Ok. C'est bon ça. J'arrive, madame la pierre. Oh, c'est tout calme d'un coup. Ouais. Ça dégage la racaille. Ouais. Voilà. Bam. Tu vas faire quoi? Oh, c'est trop fun. Je préfère cette séquence. Wouhou. Oh, le baston. Aïe. Bam. Bam. Allez, tous vous faire foutre. Allez, salut. Stopper l'assaut. Ah, d'accord. Aïe. Tu vas rien faire. Tu vas rien faire. Voilà, tu vas rien faire du tout. Tu vas rien faire du tout. Vous êtes tous les copains? Salut. Hop, hop. Aïe. Pap. Taïe. J'espère qu'on croisera pas ça dans la vraie vie. Tu vas faire quoi là?
Ah, mes jambes. Aïe, mes jambes. Voilà. Et c'est pas fini cette histoire. Et c'est pas fini cette histoire. Et c'est pas fini cette histoire. Mais arrêtez tout, arrêtez tout. Eh, eux ils me font chier. Aïe. Oh, vous me faites chier. Manquerait plus qu'ils aient des AK-47 encore, hein. Et des lance-flammes. Bon, les gars, on va peut-être stopper les conneries. Ah, oh, ouais, c'est chaud. Pop, 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 pop. T'as le temps de rien faire. Oh là 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 là. C'est bon ça. Mais impossible. Impossible ce qui vient de se passer. Ok. Hop là, ça dégage toi. Toi t'es faible. Toi t'es fort toi. Oh, vous êtes forts tous les deux. Adieu. Aïe aïe. Ça va, je rigole, tranquille. Tranquille, tranquille, tranquille. Voilà. Voilà. Bam. Bam. Voilà. J'enverrais bien ma matraque là-haut, mais le problème c'est que j'aurai plus de matraque après. Vous voyez ce que je veux dire? Alors attendez. Paf. 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 Et ben voilà. Ça dit quoi l'équipe? Détruisez la statue de la pierre. Attention. Ouf. J'ai trouvé une pierre, super. Pour ceux qui auront la ref, évidemment, Call of Duty. Ah, c'était cool ça, vision de glace. Ah, ça j'ai bien aimé par contre. Ah, ça j'ai bien kiffé. Ça c'est fun. Wifta. Bah, pas fétal. Parle, parle ou Oudam Bakri. Shunta daba dabu. Galaita. Udam bacham. Shrash. Shrash. Yagi su sarta. Swarga. Marmari. Makwadi. Udam shashkwan isla. Udam. Masup near bacham. Oh. Uda! Uda Plahaguar Petit! Voilà, donc ces fameuses visions nous permettent d'en savoir plus sur les Udam, les vilains méchants évidemment. Très bien, donc c'est bon à savoir. Donc ils protègent Femme de Pierre, on sait pas encore pourquoi. Mais c'est bon à savoir, et d'ailleurs on a le fort du grand Darwa. Emparez-vous de ce fort Udam, lourdement gardé, et affrontez le commandant. Difficulté très difficile, c'est la fin du jeu ou quoi là? On dirait. Hein. On dirait que c'est la fin du jeu là-haut, hein. Enfin en tout cas c'est tout comme. Mais on a énormément de choses à faire avant de toute façon. Et comme je vous l'ai dit, ce qui m'intéresserait beaucoup. Eh mais ce feu de camp, on l'a jamais allumé ce feu de camp. Je suis vraiment nul, on est passé à côté plusieurs fois, on l'a jamais allumé. Bon c'est pas bien grave parce que cette zone là on y va plus trop maintenant. moi ce que je proposerais c'est voilà, de descendre par là et de découvrir ce lieu là. Qui devrait nous rejoindre également vers Jaima la chasseresse s'il y a possibilité. Mais j'aimerais bien voir ce qui se passe ici. Dans cette sorte de canyon. Et là on a aidé les Wenja mis à mort. Chasser les meutes de prédateurs qui menacent les Wenja. Donc on va y aller. On va faire un TP rapide ici. Ce sera plus sympa. Et puis on va aller du coup dans le bon sens indirectement. Voilà, c'est à 230 pas. Et comme ça ce sera plutôt cool. Ce sera plutôt cool. Qu'est-ce que c'est que l'objectif principal là? Pourquoi j'ai un objectif principal? Sayla la queue. Ah, parler à Sayla. D'accord, il faut qu'on aille parler à Sayla également. On fera ça tranquille, là on fait un petit peu de secondaire pour se faire kiffer. On peut voir les ressources en bas à gauche sur la minimap et ça c'est top. Ici bah on a toujours pas de grappin. Mais quand viendra le moment ça va être génial. On va pas se mentir. C'est vrai que si on se concentrait directement sur les quêtes principales, on aurait plus rapidement le grappin en vrai, j'avoue. J'avoue. Mais bon au moins on s'amuse, regardez. Oh là. Oh j'arrive dans leur dos. J'arrive dans leur dos, c'est magnifique. Ah.
Bah c'est bon, du coup ils se font attaquer par les ours. Mais fous-moi la paix toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment il fallait qu'il s'occupe de moi le gars. Vraiment. Ok. 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 Oh, y a des vilains partout. Il y a des vilains partout. Bonjour monsieur. Ça va ou quoi? Et hop. Pardon, je trouve ça hilarant. Je trouve ça hilarant. J'ai hâte d'utiliser ma chouette. Ah ça me fume. Allez viens là mon pote. Ça me fume. Ce jeu me fume, voilà. Je me régale. Et attendez parce qu'il y a encore un ennemi en bas. Bon il va se faire bouffer par l'ours entre temps en vrai mais Non viens là on s'en fout. On s'en fout de ton ours là. Ah ouais non mais les ours c'est une tannée hein. Et ils continuent de nous suivre en plus à cause de mon loup. Oula. Comment ça? Ça va les gars? Aïe. Mais non mes frères. Mais comment veux-tu? Comment veux-tu? Attends bouge pas. Alors toi tu m'as saoulé. Ah je peux même pas faire de flèche enflammée. Ah si c'est bon. Mais oh putain. Voilà, tu dis quoi de ça? Tu dis quoi de ça? Oh ouais mais c'est trop chiant. C'est trop chiant. C'est trop chiant, vas-y meurs là. Oh il y a du feu partout en plus maintenant. Oh là 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 là. Allez. Allez. Ah, j'ai trop peur de ce jeu. Oh non. Ah bah bien sûr fallait que j'aille dans le feu. Évidemment fallait que j'aille dans le feu. Allez la flèche à côté ça régale hein. Voilà. Voilà. Il est mort. Et du coup alors ce qui est génial c'est que là je voulais faire cet objectif là de sauvetage. Ah oh, mais y'a tout qui prend feu, c'est tellement bien fait. Y'a tout qui prend feu, du coup bah la madame elle est morte. Mais comment veux-tu qu'on s'en sorte en fait? C'est impossible. Allez. Petit ours brun, bien mérité. J'ai trop le seum par contre. Ah j'ai vraiment trop le seum, je peux même pas faire le sauvetage. Bah du coup j'ai réglé le problème en vrai. Madame. Je suis vraiment navré pour ce qui vous est arrivé. En même temps, t'as pas été fut-fut, hein. Cache de récompense. Est-ce qu'il n'y a pas des ressources dont on aurait besoin, vous savez, pour notre camp, là? Comment on fait pour savoir? Village. Il nous manque quoi? Roseau, peau de mammouth. Ah oui, non, mais de toute façon, on n'a pas la population qui nous manque. Il nous manque la population, donc c'est bon. Ouais, là, il me manque la population également, donc c'est bon. En fait, il n'y a rien à faire. Récupérer. Très bien. Récupérer. Bois dur. Attends mais moi je vais allumer le feu. Attends bouge pas. Voilà. Impeccable. Comme ça, ça c'est fait. Oh. Ah oui. Non mais là faut arrêter avec le feu là. Là faut arrêter avec le feu hein. C'est la poca slip hein. Non mais regardez c'est en train de se propager partout. C'est impressionnant. Far Cry Primal c'est incroyable. Bon nous à la base, voilà je voulais qu'on aille. Donc on va aller par là bas. Alors est-ce qu'on peut monter par ici? Ouais il faut le grappin. Faut le grappin en vrai hein. On peut pas hein. On peut pas si on n'a pas le grappin. Sauf si. Sauf si, attendez bougez pas. Ah non. Oh. Par contre on est dans un très bel endroit. Sacre bleu. Il y a de la ressource à récupérer hein. Événement Wenja sauvetage. J'arrive. Oh bah d'ailleurs, vous savez quoi? On va essayer la chouette là. On va essayer la chouette. Alors comment on fait pour attaquer?
comme ça. Allez, salut. Oh, c'est génial. Ah, c'est pas mal du tout, ça. C'est pas mal du tout. Allez, je passe sous l'eau. Ni vu ni connu. On en profite pour récupérer la main d'Aïcha. Hop. On récupère la petite feuille verte aussi. Là, on se croirait sur Far Cry 3, c'est un régal. Hein. Là, c'est un régal. Et là, vous voyez mon hibou à droite, c'est le temps de la prochaine attaque. Je vais pouvoir bientôt attaquer de nouveau. On a du roseau ici. Il est où mon sauvetage là hein? Il est là. Ah, il faut que je tue. Ok, d'accord. Eh ben, il est où? La chouette sera de retour dans 10 secondes. Ah, parce que je peux plus utiliser la chouette tout court en fait. D'accord. Par contre, il est où le dernier gars là que je dois buter parce que je vais pas pouvoir le libérer moi? Ah, c'est sympa ici. C'est très sympa ici. Attendez, là on découvre. On découvre un chouette endroit là. Ok. Ah, il est là-bas. Regardez-le. Hop. Souffre. Et voilà. J'adore. Allez mon gars, te voici libre, sain et sauf. Bienvenue dans la populace. Hop. Du coup, il y a moyen de monter. Oui, je pense qu'il y a quand même moyen de monter. Il doit quand même y avoir un moyen de monter sans grappin, en passant peut-être par ici. Absolument. Ok, on va essayer de passer par là. Ça m'a l'air un peu casse-gueule hein, ce que je vais faire, mais c'est pas grave. Ah mais non, mais en fait je reviens ici. Ah, bien vu. Bien vu. Bien vu. Ah, faut avoir l'œil hein. Faut avoir l'œil. Un petit feu de camp ici. Ouais, on peut monter là, c'est bon, ça va le faire. Oh là. Un régal. Un régal les animations. Bon, en tout cas les amis, j'espère que vous kiffez cette aventure. J'espère que vous kiffez ce let's play. Tous les fans de Far Cry, si vous avez kiffé mes let's play justement sur les différents Far Cry, sauf le 5 du coup, bah voilà, j'espère simplement que vous vous régalez sur celui-ci. Vous m'avez fait trop peur. Parce que franchement, pour le moment c'est le Far Cry limite où je prends le plus de plaisir. C'est très bizarre d'ailleurs. Enfin je sais pas, enfin... Pour moi Far Cry Primal se rapproche beaucoup de Far Cry 3 en termes de kiff. C'est quand même dingue, non? Ok, il y a de l'ours par ici. Donc là maintenant on va essayer de rester furtif et discret. Parce que là les ours, ça commence vraiment à me péter le système là. Voilà. Non, reste là, reste là. Reste là. C'est bon. Ok. On est pas mal, on arrive finalement, on arrive à le faire. Ne serait-ce pas un chemin ça? Ah bah en fait il y avait un chemin à suivre en fait. Ouh. Emparez-vous de cet avant-poste, difficulté difficile. Oh là tu sens que c'est une zone, c'est une zone enflammée hein. Pourquoi on va là? Je ne sais pas. Ce sont des chèvres ça. Alors par où aller? On peut grimper ça? Non pas du tout. Ah il nous faut un grappin encore. Ah en fait on peut pas y aller. Il nous faut vraiment un grappin. Attendez, je suis persuadé qu'il y a quelque chose derrière la cascade. Pas du tout. Un peu déçu. C'est pas grave. Bah il y a un chemin en fait là-haut. Donc il doit quand même y avoir un moyen d'y aller sans grappin. Je présume. Et pour savoir, on va envoyer la chouette. Tac. Alors nous on est où là? On est juste en bas. Regardez, il y a encore la porte des étoiles ici. Ouais, tu vois, c'est un chemin là. C'est un chemin. Et t'as vu, bah on peut y aller. On peut y accéder par là simplement. Cherche pas. Cherche pas plus loin, on peut y aller quand même. En vrai, ce serait pas mal parce que si on arrive à faire l'avant-poste, comme ça on pourrait se TP directement là-bas rapidement quoi. En vrai, c'est pas une si mauvaise idée quoi. Oh, c'est trop stylé par contre hein. C'est vraiment c'est vraiment magnifique hein. Moi j'ai vu quelques images de Avatar Frontier of Pandora, mais je ne connais pas le jeu, ça ne m'intéresse pas. C'est bien par là que je dois aller?
Ah ouais. J'étais pas sûr en fait. Ça me fait vraiment penser à ça. Enfin c'est magnifique. Ok. Nous voici sur les hauteurs. Par contre le soleil va se coucher. Donc en vrai c'est vraiment la merde. Tu sens qu'on va faire la navette pour rien. Mais c'est pas grave. Comme ça au moins on prépare déjà un petit peu le terrain. On voit à peu près ce qui nous attend. C'est déjà pas mal. Et puis là j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'animaux en même temps. Ah là grappin ça sauverait la vie quand même hein. Oh là 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 là. Oh, regardez-moi la hauteur qu'on est en train de prendre. Oh là là. C'est légendaire ce qui se passe. Légendaire. Oh. Ah. Ah ha ha. Voilà. Bon bah comme ça on est fixé hein. On est fixé, on peut pas. Et là il faudrait un petit wingsuit, ce serait incroyable. Bon bah on peut pas, il nous faut réellement le grappin. Donc les amis on va continuer tout simplement la quête principale. Alors on pourrait aller du coup voir Jaime à la chasseresse tant qu'on y est. Mais vas-y la flemme, on va aller parler à Syla, la cueilleuse, qui va nous cueillir. Je ne sais quoi, mais elle va nous cueillir. Elle va nous cueillir, pardon. Tac tac, tiens, c'est par ici. Syla, écoute-moi. Takar. Shaskauhim shalla, masi waichai hatrawana, palhu sashwalim huhaya, ukauhi waida, tu sasakui. Ok, la grotte aux ossements. D'accord. Ça se passe là-haut. Juste à côté de Karouche le guerrier. Bon bah donc c'est par là-bas qu'il va falloir qu'on continue nos péripéties. Et bah ça tombe bien, on va se téléporter ici. Et on va faire ce bûcher. Et on va arriver par ici. Impeccable. Allez c'est parti, on va se téléporter. Comme ça ça fait passer le temps également normalement. Donc là il fait bien nuit. Est-ce qu'on peut dormir? Oui. Jusqu'à l'aube. Alors jamais de la vie je dors dans ces conditions. Mais bon c'est pas grave. Parce que ça fait très très peur quand même hein, et on va pas se mentir que là mais ça le fait. On peut dormir sans aucun problème. Et là on va pouvoir profiter de toute la journée bien complète. Allez réveille-toi là. N'attends pas non plus qu'il soit 11h. On n'est pas dimanche enfin. Ah peut-être. Ok. Des ressources quotidiennes. Ouais donc on a des nouvelles ressources d'ailleurs qui sont apparues. Genre là. Érable du sud. Superbe. Oh non. Oh non je les ai mis dans mon sac. Comment on fait? Tant pis. Bon. Voilà. Donc, il faut aller par là, c'est ça? Je suis un peu perdu. Mais non. Ah, il y a un événement sauvetage. Attendez, j'arrive. J'adore les événements sauvetage. C'est quoi ça? C'est une ressource? J'adore le concept. Oh, en plus, il y a du jaguar. Oh là! Oh là! Ah oui, il y a du jaguar là. Alors attends, on va envoyer le hibou. Le jaguar s'en occupera. Moi, je m'occupe de lui. L'autre va mourir tout seul, vous allez voir. Et voilà. Non! Arrête! Non! C'est pas possible. Non! Pourquoi ce monde est cruel? C'est cruel. Ah ouais t'es vif toi. Ah ouais tu vis hein. Non on va te faire foutre. Eh hey, reviens. Oh j'ai trop le seum. Oh je peux même plus faire de... Il me refaut du bois là. Je peux même plus faire des flèches. J'ai trop le seum. Salut. J'ai trop le seum. Je tue des innocents. Enfin non du coup j'ai pas tué là mais... Bon. On va les laisser tranquilles. Alors toi. Mais c'est pas possible. Oh putain. Oh là je suis énervé là. Là je suis énervé là. Là je suis énervé. Quand je suis énervé. Et quand je suis énervé, je fais mal. Voilà. Allez bien sûr.
Allez, dépecer Jaguar. C'est la première fois qu'on dépece un Jaguar en plus, hein. C'est vraiment pas facile, hein. Bon, allez. Faudrait quand même que je récupère du bois là. Où c'est qu'il y a du bois là? Allez, foutez-moi la paix, merde! Oh, mais c'est pas possible, on peut rien faire aussi sur ce jeu! Ouais, je me casse. J'ai un objectif qui m'attend, moi. J'ai un objectif qui m'attend. Un petit. Du coup, c'est ici. Oh, y'a du jaguar partout. Y'a du jaguar partout, il faut que j'appelle un. Alors, déjà. Voilà, on va réanimer ma bête. J'ai des collègues là-haut, là, il se passe quoi? Oh là. On va récupérer du bois. Vas-y, attaque. Ah, il lui a fait peur. Très bien. Salut les gars, ça va ou quoi? Bon, il fait peur ce jeu quand même, là, mine de rien. Alors, faut faire attention aux serpents, encore une fois. Faut faire attention à tout, c'est terrible. Comme je cours partout, c'est compliqué. Hein. Bonjour. Il y a un butin là. Hop, voilà, ça régale, on récupère la séguée. Voilà, on récupère également le bois. Parce que là, je suis en manque. Très sympa ici là. Qu'avons-nous là? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a beaucoup de vilains là. Ah, c'est des chocs tribales mis à mort. Trouver et tuer des dangereux ennemis puis fouiller leur corps. Allez, vas-y, on va se faire ça aussi là. Parce qu'on en a encore jamais fait. On en a encore jamais fait. Je suis là, mon gars. Quête ajoutée au menu des cartes. Ah d'accord. Événement Wenja sauvetage. Ah bah c'est pas ça du coup. Mise à mort, mise à mort. C'est une mise à mort et... Choc tribal, mise à mort. Mais où ça frérot? Choc tribal, mise à mort. C'est ça là? Ouais, bon d'accord. Ouais, bon, on verra. On verra sur le chemin. Sans aucun problème. Ok. Hop là, je suis énervé. Allez, on va aller voir l'avant-poste là. Je comprends plus rien à ma vie. Ça crie dans tous les sens. On peut pas être tranquille deux minutes. Il y a un jaguar là-haut. Est-ce que je lui fais peur au jaguar avec mon feu? C'est pas un jaguar, hein, c'est une biche. Hein. Ok. Ok. Hors de ma vue! Il a l'air d'avoir peur du feu. Ça a l'air de marcher. Ok. Alors, on a combien de monde là? 1, 2. Ah, et lui, à mon avis, il appelle des renforts. Fais attention à ça. C'est tout? Ah, il y en a un troisième là. Bah, regardez ce qu'on va faire. Oh! Il y en a là-haut aussi. Il y en a là-haut, mais ça, c'est pas grave. Donc là, ce qu'on va faire. Voilà, attaque! Ah mais je me suis fait cramer. Ah ouais d'accord ouais. Hop. Bon bah voilà. Bon ça s'est pas passé comme je voulais. Ça s'est pas forcément passé comme je voulais. Mais ça l'a fait voilà. Tiens mange. T'as géré mec. C'est moins stylé que ce que j'avais prévu mais bon. C'est pas grave. J'ai pas envie de gaspiller là de la graisse là. Attends bouge pas, y a du feu là. Oh c'est éteint. Là il y a du feu là. Laissez pas traîner le feu les gars. C'est dangereux. Regardez moi ce que j'en fais moi de votre feu. Allez ça régale. Ça c'est fait messieurs dames. Évidemment n'oubliez pas le pouce bleu hein.
pour cet épisode absolument incroyable. Troisième bûcher revendiqué sur 16. Ça, c'est fait. Bon, on avance. On avance, on avance. C'est merveilleux. J'en démords pas, un petit wingsuit, ça régalerait. Hein. Et attends, on a une pierre Wenja en bas là, la pierre d'Aïcha à récupérer. Attends, on va descendre par là, regardez. Voilà. Je glisse sur les rochers, moi, j'ai pas peur. Oh. Qui c'est qui m'a vu là? Qui c'est qui m'a vu? Qu'est-ce que tu me racontes là? Y'a rien à voir. Où c'est qu'il y a un gars? Ah là! D'accord. Alors attends, ça c'est pour le plaisir. Ils sont deux. Allez, ça c'est pour le plaisir. Paf! L'autre derrière, il a rien vu. Ah, l'autre derrière, il a rien vu. C'est un régal. C'est un régal. Oh! 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 Eh, mais je suis bloqué là. Je viens de me mettre dans une embrouille. Aïe. Ben voilà. Impeccable. Ah, je fais du parcours depuis mes 7 ans. Hein. Allez, c'est par ici. C'est par là. Et voilà le travail. Il y a la main d'Aïcha. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Ben. Attends, il y a quoi là? C'est de l'argile, de l'ardoise. Très bien. Bon, du coup, maintenant que ceci est fait, on va continuer. C'est quoi ces points rouges? C'est des ennemis? Ah ouais. Attaque. Dommage. Voilà, ça aurait pu être encore plus stylé si j'étais pas aussi nul. Malheureusement, on peut pas être parfait, hein. Surtout dans la préhistoire. Hein. C'est bien, mon loup. Salut. Bon, du coup, on a une mission là, en vrai, de vrai. C'est par là-haut. Du coup, on a la fameuse mise à mort ici. On a Carouche le guerrier et Saïla la cueilleuse. Et un feu de camp là-haut. Et puis là, on a un lieu inconnu, grotte de Marsa. Inexploré. Et on va passer par là. On va faire un petit détour. On va voir la grotte là. Parce que c'est vrai qu'il y a des grottes qu'on a même pas explorées encore au début. Je suis un peu bête. Enfin, il y a tellement de choses en même temps à explorer dans les Far Cry, c'est pas facile. Viens là, mon loup. N'aie pas peur. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Bonjour. C'est mignon ici. Oh. Il y a un serpang. Attention, serpang. Bon, qu'avons-nous là? Oh, j'avais pas vu lui. Allez, ça dégage. Top. Ok, on va tout faire encore à corps. Yalla. Oh, du poison. Oh, dommage. Dommage. Dommage pour le poison, mais c'est pas grave. C'est bien, mon loup. Il se passe quoi là? C'est la fête au village d'or ou quoi? Bon. Très sympa cette grotte. Ah, il y a plusieurs accès. Mais c'est trop stylé. Attends, elle est grande la grotte, c'est trop stylé. Enflammé gourdin, voilà. On y verra plus clair. Ah, c'est top ça. Oh. Mais non. Oh, j'ai trop le seum. Vous vous souvenez, il y avait une grotte où c'était fermé. On aurait pu détruire en fait. Tout simplement en donnant un coup de pied. Enfin, donner un coup de gourdin. Ah, j'ai trop le seum. Oh, bah, c'est bon à savoir. Donc, on a trouvé la main d'Aïcha. Ça, c'est fait. Alors, toi, par contre, le loup, je vais me servir. Un autre loup. Ça, ça fait toujours plaisir. Là, on a de la flotte. Oh, arrête, je suis pas allé dans l'eau. Oh, waouh! Non, mais c'est incroyable. Je sais pas où je vais, mais c'est génial. Waouh.
Ok, je suis dans un autre accès. Ok, ça faut enflammer ça. Ça à mon avis. Ouais, ça faut enflammer. Y a pas du feu là? Non? Ok, pas grave. Fais attention à toi mon loup. Va ici là. Couché. Coucou je panier. Ah c'est top. Ah bah là ça brûle C'est mieux là. Argile. Voilà. Étudier peinture rupestre. Grotte de Marsa, grotte terminée. Ok. On vient de se faire cette grotte. Ah c'est top ça. J'ai adoré. Du coup ça veut dire... Ça veut dire on a tout vu de cette grotte là? Ah ouais. Explorer. Non mais c'est génial parce que du coup... on avait des grottes là. Attendez, où je suis fou. Là, cette grotte là. Inexplorée, ouais. C'était pas dans celle-là qu'on était et qu'on a rien enfin, qu'on trouvait rien là? Ah putain, je suis con. Oh, y a pas énormément de grottes en vrai, y'en a que deux. Oh, y'en a que deux ici. Ah bah c'est bon, du coup, faudra juste... voilà, y'a un TP à côté, donc on pourrait en profiter pour se faire cette grotte, hein, tranquille. Allez, et ben on va passer par la mise à mort. Ensuite... Karouche et ensuite Syla en vrai. Hein, je pense qu'on va faire ça comme ça. Hein. On a gagné un point de compétence, on va les économiser pour le moment. Et on va sortir par là. Parfait. On va faire un petit peu d'escalade évidemment. Magnifique. J'adore ce qui se passe évidemment. J'adore le concept. Allez, c'est par ici. On est tellement discret avec notre torche enflammée. Mais au moins, si on peut faire peur un petit peu aux autres, c'est toujours sympa. Oh! Caillou noir du nord, c'est nouveau. Hein. C'est un nouveau loot. Jusqu'ici, encore jamais trouvé. Par contre, il y a du bois là. Et encore une fois, je le rappelle, j'en ai vraiment besoin là. Du bois dur. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est bon le bois dur. On va récupérer tous les loots là. Oh, un tigre. Ou un jaguar. Comme vous voulez. Ou un ours. Oh non, c'est un bison. Incroyable. Je me casse. C'est un bison. On va monter par là. Tu peux venir mon loup. Hein. En vrai, si t'as envie de venir. Pour me porter assistance. Là, il faudrait un grappin également à tous les coups. Non, même pas. Ah non, ça passe ici. Allez. Montons, montons. On en profite sur le chemin. On a des feuilles jaunes a priori aussi. J'ai bien fait d'avoir mis cette compétence là pour les loot en bas à gauche là. C'est une très bonne idée. Là aussi là, ça, il y a ça. Caillou noir. C'est bon ça. Alors attends. On va se faire un peu plus discret. Parce que je sais pas ce qui nous attend là. En vrai je sais pas du tout ce qui nous attend. Mise à mort. C'est juste un gars à tuer en fait. Mais y'a que dalle. Non mais attends, on se fout de ma gueule ou quoi? Choc tribal, mise à mort, des guerriers Udam traquent les Wenja près de leur foyer. Éliminer le chef, fouiller. Ok. Accepté. Atteignez l'emplacement. Ouais mes frères, hey, regarde où c'est. C'est dans la grotte, on y était juste avant. Mais ça me saoule ça. Oh ça me saoule. Bon c'est pas grave, on va se faire ça les amis. Ça c'est dommage par contre. C'est amené un peu C'est mal amené ça. Oh, il faut bien que quelque chose soit mal amené. Enfin je trouve hein, c'est mon avis hein. Ça se trouve vous trouvez ça bien. Mais là je trouve ça un peu con. Allez. Tuer le chef et fouiller son corps. Donc là il n'y a qu'un seul chef à tuer. Mais il pourrait y en avoir plusieurs. Très bien. Bon, on va envoyer le hibou hein. Donc du coup ils ont respawn parce que là j'avais tué tout le monde hein. Je dis ça, je dis rien. Alors où est le chef? Là je vois que deux vilains du coup. Attaque. Et toi attaque. Voilà. Bien joué de ma part. Voilà. Ça c'est vraiment bon ça.
C'est un beau travail d'équipe. Comment ils savent que je suis là? Des renforts arrivent. Allez ta gueule. Des renforts arrivent, moi je suis prêt. Qui viennent? Qui viennent? Moi je les attends les renforts. Où ça? Ah là. Paf. Allez. Paf. Ça dégage. Ah il faut mourir quand même hein. Ah d'accord. Ok c'est lui le chef. Ça va mon gars? Donc c'était lui le chef. Excusez-moi j'ai éternué. Je sais pas où sont les renforts. Ah ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Je suis même pas obligé de me les faire hein. Je suis même pas obligé de me les faire. Et voilà. Fuyez la zone où tuez tous les ennemis. Moi je suggère de tailler la zone. Oh non mon loup est mort. Non mon loup. Ok. On va sauver mon loup alors. Hop ça dégage la racaille. Voilà. Pardon. Ok. Ok, tu veux jouer? On va jouer. Comment il a fait pour se faire arracher mon loup là? Voilà. Hop là. Pas le temps pour vos conneries. Allez. Touche. Tout va bien loulou. Allez mange. Il est où l'autre? Il doit être en bas dans la grotte, non? Non, il est là. Il y en a un qui est là, là. Non? Non, c'est bon. Il doit être en bas dans la grotte. Allez, on se barre! Une bonne chose de faite, les amis. C'est bon, ça? Pas évident, hein? J'adore. Ressources d'armes envoyées à votre cache de récompense. Ouais, voilà. Bon, de toute façon, en plus, c'est des objectifs vraiment secondaires parce que ça te donne juste des petites récompenses de rien du tout. Bon, si ça donne de l'XP, c'est déjà pas mal, mais vous voyez, ça augmente pas la population, ça fait pas... Ça donne juste du loot en vrai, dans les coffres, qu'on n'utilise même pas pour le moment dans tous les cas. Ça pourra toujours servir. Hein. Mais là c'est vrai que ça sert pas à grand chose. Mais voilà, en tout cas, si jamais on s'ennuie, on a des petits objectifs secondaires à faire. Qui est plutôt... plutôt intéressant. Bon. Il se passe quelque chose là-haut encore. Attends, il y a des feuilles jaunes du coup. C'est pas ici malheureusement. Ah si, là. Feuilles jaunes du nord. Allez. C'est bon ça? Oh c'est quoi ça? Ah bah ça c'était la mise à mort qu'on vient de faire donc. Et ouais donc là direction on va peut-être faire le feu de camp d'abord. Comme ça si on meurt on respawn là même si j'ai pas prévu de mourir. Et puis après comme ça on pourra attaquer nos quêtes principales enfin. Évidemment on attend ça depuis le début de l'épisode. On a un collègue ici. Hop. Le collègue il a tué tout le monde hein. Ah ouais le collègue il a tué tout le monde hein. Il rigole pas le collègue hein. Oh, ah ouais. Et par contre on se croirait aux États-Unis là hein, c'est magnifique. C'est beau, on est vraiment dans un nouvel environnement, ça va mon gars? T'as t'es un vrai petit raid hein. Feu de camp, nouveau point de réparation, voilà. Alors viens par là parce que là il y a l'air d'avoir embrouille. Il y a l'air d'avoir embrouille. Attaque. Touché. Coulé. Aïe. Ouais comment il a fait ça lui? Comment il a fait ça lui? Comment il me l'a envoyé? C'est un ouf. C'est un ouf. Attendez parce que là le feu de camp j'ai pas compris. Je l'ai activé ou pas parce que je l'ai pas allumé? Lieu de repos spécial point de réparation. Ouais il est allumé c'est bon. Comme les autres ils sont allumés. Attends mais là je comprends plus rien au jeu. Oui c'est bon ils sont allumés. Allez. Tu fais peur toi. Par contre ça je prends. D'accord. Ça je prends. Ah il y a de la neige là-bas. Ça je prends. Là il y a un point d'interrogation donc j'y vais. J'avoue je suis en train de retarder le moment mais j'adore. J'adore ce qui se passe. Étant du pied de ma maf. Ah bah c'est là-bas qu'il y a notre copine. Dans tous les cas. Donc on ira. Oh mince. Oh l'éléphant. Oh le pauvre.
Alors attendez. C'est malheureux mais on en profite hein, voilà. Ça c'est fait. On l'a dépecé, c'est superbe. Ni plus ni moins. Allez les amis, on y va. On va aller voir Carouche, le guerrier. Comme ça, on aura de la nouvelle populace dans notre village. Serpent. Amenez Carouche le guerrier dans votre village, il vous apprendra de puissantes exécutions. Allez go. Ouais mais là mec mais tu vas brûler là. Mais viens mec. Mais viens. Mais comment je t'aide? T'es dans le feu. Mais alors là je c'est encore un bug ou... Aider le guerrier Wenja. Ah j'avais pas compris. D'accord. Ah bah je pensais qu'on allait aller au village moi. Moi je croyais qu'on allait simplement aller dans le village. Mais non. Carouche. Ah mais Carouche il est là. J'avais pas compris, moi je croyais que c'était lui Carouche. J'arrive. À la one again. Dans ta gueule. Paf là. Dans ta gueule. Paf là. Et voilà. Ça va Carouche? En vrai t'as pas besoin de moi hein. Balti a yeldata! Bâtard. Ta winja. Mukarush. Brastar has nas. Udam. War wanam. Mog. Mog. Me fakwi hinacha. No me sushnu. Mag. Me sushnu hugwan. Mag guan mas. Shrash. Imbrashtar. Una chuba. Dushma. Dagwa mas. Душма, маг швада, сим гуан мас. Là c'est vraiment les amis l'épisode bestial hein. Ok. Allez on va brûler tous les cadavres. C'est bon ça. Paf. Ah bah je brûle avec. Tu veux pas m'aider? Pardon. Ok. Allez, meurs là, ça commence à bien faire. Allez. Ça commence à bien faire. Tac. Allez, je te laisse gérer mon gars. Hop, voilà. Reste au sol toi. Reste tranquille. Bon, il brûle le cadavre ou pas? Ah mais c'est terrible. C'est moi qui ai brûlé. Et voilà, je brûle encore. Dégage. Voilà, c'est bien. C'est bien loulou. Tuez les guerriers, t'inquiète. Tuez-les tous. Hop là. Carouche, tiens le coup. Hop là. J'adore ce jeu les gars. Je trouve que voilà, en termes de combat, on peut se faire kiffer. J'espère que vous kiffez mon gameplay. Voilà. Voilà. J'adore. Là ils sont nombreux là. Hop. Mon loup est mort.
C'est pas grave, on va le réanimer, vous inquiétez pas. Allez, lève-toi. Alors attends, lui je vais le prendre par au-dessus, tu vas voir, il va rien comprendre lui. Yalla! Ah yes. Voilà. Oh bah mon loup il me l'a volé. Il m'a volé mon kill. Impeccable. Eh bah c'était bien sympa tout ça. Taka. Paltimi Barda. Winjara, Narta Lajarsh. Su. Winjayauda Dachaya. Bauda. Rasta. Putain, en vrai, Takar, donc nous-mêmes, on est vraiment un modèle. Hein. Karouche, le guerrier, a rejoint votre village. Voilà, c'est fait, il nous a rejoint. C'est bon, ça. Un frère dans le besoin. Ça, c'est top. Ça, ça régale. Eh bien, les amis, on va s'en arrêter là pour cet épisode absolument incroyable. J'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu très important et le commentaire qui fait également plaisir. On va directement se rendre dans le prochain épisode chez notre sœurette, bien sûr, Saïla, la cueilleuse. Il y en a une mission de grotte là-bas d'ailleurs aussi. Pas mal de choses à voir. Puis dans le biome neige aussi, c'est plutôt intéressant. Voilà. Pas mal de choses à voir. Et confection, attendez. Bombe à piquant. Eh bien voilà! Vous n'avez pas encore appris comment confectionner des bombes à piquant. Et maintenant si. Maintenant je vais pouvoir fabriquer des bombes à piquant. En fait, c'est des sacs remplis d'abeilles furieuses. Jetez-les sur vos ennemis et courez. C'est excellent. C'est excellent, j'adore. Eh ben, c'est top. Allez, les amis, c'était Mkolo. A très vite, plein de bisous. Ciao, tout le monde. T'as kiffé cette vidéo d'Mkolo, alors mets un like. Si tu veux soutenir davantage, écris dans le chat. Ton petit commentaire qui fait plaisir, c'est un pur bon.